100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie, voici votre émission matinale. Et nous revoici les amis, nous sommes ensemble encore une fois et là on va y aller du côté d'une entrevue téléphonique qu'on a. On va vous parler d'un sujet, je trouvais ça intéressant, tu sais Pat, moi je trouve ça important l'entrepreneuriat. À chaque fois qu'on peut en parler et surtout dans ce cas-là, c'est un défi qui se fait avec les plus jeunes pour pouvoir pousser les gens à se dépasser et essayer de leur donner la flamme entrepreneuriale. J'ai quelqu'un qui va nous parler d'un événement qui s'appelle le Défi 48 qui va se dérouler au Montagnet entre autres les 2 et 3 juillet prochains. On parle donc avec monsieur Charles-Antoine Allais. Il est avec nous. Bonjour à vous monsieur Allais. Bonjour. En forme et de bonne humeur de votre côté? Ben oui, et vous? Ben, nous ici, c'est le gros soleil, la vie est belle et on profite de ça puis on garde la bonne humeur à chaque jour. Monsieur Allais, j'ai vraiment été agréablement surpris quand j'ai vu ce défi-là. Le Défi 48, c'est un rallye ludique et authentique qui a comme objectif vraiment de démontrer que l'entrepreneuriat est accessible à tous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour nous en donner des grandes lignes, des grands détails? Ben oui, certainement. Le Défi 48, dans le fond, là, tu vous l'avez dit, c'est une formation authentique dans laquelle les participants vont pouvoir apprendre ben comment lancer réellement une entreprise à partir de rien. Donc, les participants vont avoir 48 heures, un seul dollar en poche, ils vont devoir lancer une entreprise ou encore une initiative qui va atteindre rentabilité, donc qui va générer du profit dans ce même laps de temps-là. Donc, c'est vraiment tout un défi, là. Moi, je trouve ça capoté. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes restrictions, commence tous avec un dollar, trouve une manière de le faire. Comment ça marche pour pouvoir bâtir ce projet entrepreneurial-là? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Bien, la première chose à prendre en compte, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, qu'on ait déjà une entreprise ou encore qu'on soit un étudiant, un professionnel ou quoi que ce soit, puis qu'on ait des idées ou non, ben on peut y prendre part et c'est réellement, comme on le dit, accessible à tout le monde. Donc, qu'on ait une base là-dedans ou qu'on ne sache rien du monde des affaires. Et puis, ben durant la fin de semaine, donc vous l'avez mentionné au Montagnet, samedi, dimanche, là, qui arrive rapidement, eh bien, nous, notre équipe de coachs, l'animateur, va être là pour vraiment venir façonner les idées d'entreprise avec les équipes et les participants pour s'assurer justement qu'ils puissent optimiser le quelconque succès là et les ventes qu'ils vont pouvoir réaliser sur le terrain. Et après ça, ben d'heure en heure, notre équipe va les soumettre à des embûches, à des épreuves, ou encore, on pourrait même les voir d'un côté plus positif, donc des tremplins qui vont leur permettre de se développer de façon optimale. Je prends un exemple, mais on pourrait leur demander d'affronter une crise économique, une pénurie de main-d'œuvre. Vraiment des épreuves, tu sais, qui s'inspirent de situations réelles que les entrepreneurs vivent dans le monde de tous les jours. Mais le plus important à se rappeler, c'est qu'on est dans le concret. C'est pas une compétition entre quatre murs. On est sur le terrain, on est avec les gens du Saguenay, et puis on lance des belles entreprises concrètes là ensemble. Est-ce que ça peut vraiment donner le goût au monde par la suite de continuer? Ça peut mener à quelque chose de réel, en fait. Carrément. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, l'édition de l'année passée qu'on a animée à Chicoutimi a permis à deux entreprises qui sont encore en fonction aujourd'hui et bien de se lancer. Donc, vraiment, sur je pense, les 4 ou 5 équipes qu'on avait l'année dernière, ben il y en a deux, donc le 40-50% qui sont encore en affaires aujourd'hui. Là. Pour qu'on se comprenne bien, il y a des prix en plus qui sont donnés pour ça. Ça doit être ça qui est arrivé possiblement aux gens, tu sais, qui ont participé, qui ont gagné des entreprises que vous me parlez, qui ont continué. Y est-il dans les finalistes? Oui. Ben en fait, l'équipe qui avait gagné l'édition du Saguenay l'année dernière, c'était la Rivière des Horizons. Ils avaient généré en termes de profit, là, puis attention, parce que c'est impressionnant, c'était 9 800 $ en profit. Et l'argent que les équipes génèrent, ben bon, tout d'abord, ils le préservent, ils le gardent, donc pour investir dans le développement de leur entreprise ou encore dans divers projets. Mais ils se sont également fait inviter en cadre de la finale provinciale et ont terminé en deuxième position globalement. Et nous, en plus de ce que les équipes peuvent générer, eh bien, on vient bonifier les prix. On a là plus de 20 000 $ en prix à gagner, à faire tirer, que ça soit des sites web professionnels par notre partenaire Widoo, que ça soit du
du coaching par certains de nos autres partenaires ou encore des bourses en argent carrément. On est là pour les aider. Puis d'ailleurs, en parlant de partenaires, là, je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Mais je tiens à les remercier parce qu'ils sont tellement importants. Puis surtout au Saguenay, tu sais, je pense à Rio Tinto, je pense à Desjardins, à SD Maintenance ou encore notre partenaire principal Logique. Vraiment, on pourrait pas se permettre de faire une tournée panquébécoise comme ça là, à Chiquité si c'était pas de leur implication. Puis on sait que les gens aiment ça, voir des entrepreneurs. On pense, entre autres, dans l'An du Dragon, des émissions comme ça qui amènent les gens à pouvoir rêver. Elle dit, moi, si je pourrais créer quelque chose, faire de quoi? Puis avec votre initiative, ça répond carrément à ça, à partir d'un dollar, d'un besoin, d'une idée, d'évoluer vers quelque part. Ça montre que tout le monde peut s'essayer. Ben exactement. Puis tu sais, moi-même, je pense que je suis un bon exemple de la chose. La première entreprise que j'ai lancée, ben j'avais à peine 13 ans. J'avais à peine, je pense, un 40$ dans mon compte de banque. J'en avais même un à cette époque-là. Donc, je l'ai vécu à ma manière, mon premier défi 48, là. C'est le 2 et 3 juillet prochain. Est-ce qu'on peut s'inscrire encore? Comment est-ce que ça marche pour les inscriptions? Oui, tout à fait. Donc, simplement se rendre au www.défi48.com. Oui. Je vais le répéter pour être sûr que les intéressés puissent se prendre en note. Donc, www.défi48.com. Si on va sur l'onglet de droite complètement, soit inscription, on peut choisir la ville de son choix, bon, s'inscrire. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi soir. Donc, c'est vraiment le temps encore là, de s'inscrire, soit en équipe ou encore de façon individuelle. Ça va nous faire plaisir de vous jumeler avec une équipe existante. Puis, je me sens généreux ce matin. Bon, le Chicoutimi, le Saguenay en général, c'est une région qu'on adore. Donc, en fait, je vais carrément partager aux auditeurs un petit code promotionnel pour un 25% de rabais qui est défi 25 en majuscule, donc D-E accent aigu F-I 25 en majuscule, je le répète. Oui. Puis on espère vous y voir en grand nombre. Donc, défi 25, ça c'est un code pour justement avoir un rabais. Un rabais de 25%. Exactement. Charles-Antoine Allais, merci énormément de votre entretien avec nous. Ça s'explique les grandes lignes du défi 48. Je trouve ça incroyable et il faut qu'il y en ait de plus en plus d'initiatives de la sorte. Bravo aux partenaires Rio Tinto, Desjardins, tout ça. Vraiment une méchante belle activité. Puis pour y aller, j'irai sûrement voir ça. Ça doit être capoté à voir. Allez, un grand merci à vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.